Argolite est une société qui commercialise des outils stables pour le contrôle qualité des systèmes en fluorescence pour la science de la vie. Nous sommes issus de l'université Bordeaux 1, nous sommes une spin-off, c'est-à-dire que nous avons transféré une technologie universitaire vers le monde dans l'entreprise. Notre produit principal, c'est une lame d'étalonnage ou une lame de suivi qui sert à caractériser la qualité d'imagerie des microscopes pour les sciences de la vie. Notre principal marché aujourd'hui, c'est 50% l'universitaire, les chercheurs publics, et 50% l'industrie des sciences de la vie, c'est-à-dire le pharmaceutique ou la cosmétologie. Argolite a été fondé par Arnaud Royan et moi-même, deux chercheurs de l'université Bordeaux 1. Et maintenant, 4 ans après la création d'entreprise, nous sommes 8 à travailler pour Argolite, tous situés à Pessac. Argolite se fonde sur plusieurs valeurs. La première, bien sûr, c'est l'innovation technologique, l'excellence technologique, mais aussi une très forte croyance dans tout ce qui est écologie, l'aspect renouvelable, et enfin aussi un respect du salarié et de la personne à Argolite. Argolite est toujours une petite entreprise, nous sommes en croissance, mais nous sommes toujours une TPE aujourd'hui, mais nous sommes le leader dans le marché parce que nous avons un produit unique qui permet pour la première fois d'allier toutes les solutions actuelles en un seul produit et de permettre un suivi dans le temps des outils d'imagerie en fluorescence. La CCI Bordeaux-Gironde nous a accompagnés à travers son axe international, puisque nous travaillons aujourd'hui à 74% à l'export. Et donc la CCI nous a aidés à nous structurer et à organiser des actions vers les pays hors France. L'une des choses qu'on a voulu montrer avec Arnaud Royan, mon associé, c'était prouver qu'on pouvait innover en France dans l'industrie. Et la semaine de l'industrie, c'est quelque chose d'important pour nous parce que ça permet de mettre en valeur des acteurs d'industrie locaux qui réussissent.